Sharks do not indiscriminately attack people. Les requins n'attaquent pas les gens de manière indiscriminée. So this summer we're actually starting a new television show, a new approach to sharks. Donc cet été on va commencer une nouvelle série télévisée qui s'appellera une nouvelle approche des requins. We have a group called the Shark Angels. Donc on a un groupe qui s'appelle les Shark Angels. And these are women. Donc c'est un groupe de femmes. Who swim with sharks. Qui nagent avec les requins. So they're going to be swimming with sharks around the world. Donc elles vont nager avec les requins partout dans le monde. Tiger sharks, great white sharks. Des requins tigres, des grands requins blancs. So I think the image of women and sharks. Donc avoir cette image de femmes avec des requins. Are going to make all of those people who want to kill sharks look very weak. Vont faire paraître tous ceux qui crient pour qu'on tue les requins assez faibles. So these men in La Réunion who want to kill the sharks. Donc tous ces gars qui veulent tuer les requins à La Réunion. Because they're afraid of them. Parce qu'ils en ont peur. Will look very, very silly. Auront l'air très stupides. When they see women swimming with them. Quand ils vont voir des femmes nager avec eux. And this is not something that we're experimenting with. Et c'est pas quelque chose qu'on est en train de découvrir. The women who will be swimming with these sharks have been swimming with them for years. Ces femmes-là qui vont nager avec des requins ont nagé avec eux depuis des années. So they know what they're doing. Elles savent ce qu'elles font. And what I've learned over the years from swimming with sharks myself. Ce que j'ai appris au cours des années en nageant avec les requins moi-même. If you respect them. Si vous les respectez. They will respect you. Ils vous respectent. It's as simple as that. C'est aussi simple que ça. We have to learn to live in harmony with all of these other species. Il faut qu'on apprenne à vivre en harmonie avec toutes ces espèces. And how I like to sort of explain this is to look at the Earth as a spaceship. Alors j'aime bien expliquer ça avec l'analogie de la planète en tant que navire spatial. We're on this incredibly big spaceship right now. Donc, on est sur cet énorme, incroyable navire spatial. And it's traveling around the Milky Way galaxy at 500 kilometers a second. Et on voyage à travers la galaxie à 500 km par seconde. It's a very fast spaceship. La planète est un navire spatial très rapide. But like all spaceships, it has a life support system. Mais comme tous les navires spatiaux, elle a un système qui soutient son fonctionnement. And that system provides us with the air we breathe, the food we eat, and regulates the temperature and the climate. Ce système vital nous fournit l'air qu'on respire, la nourriture, recycle nos déchets et organise le climat. And that system is run by a crew of Earthlings. Ce système vital, il est fonctionnel grâce à un équipage de terriens. And we humans are not the crew. Et nous, les humains, nous ne faisons pas partie de cet équipage. We're simply passengers. Nous, on n'est que des passagers. We're having a great time entertaining ourselves. Nous, on passe du bon temps et on se distrait. While the crew runs the ship. Pendant que l'équipage fait marcher la machine. And that wouldn't be so bad, except that we're killing the crew. Et à la limite, pourquoi pas, sauf qu'on est en train de tuer l'équipage. More and more so every year. De plus en plus chaque année. And the lesser the crew, the more fragile the life support system. Et moins on a de membres d'équipage, et plus ce système est fragile. For instance, since 1950, we have lost 20 to 30% of the phytoplankton population in the oceans. Depuis 1950, on a perdu entre 30 et 50% du phytoplancton dans les océans. And phytoplankton provides 80% of the oxygen that we breathe. Le phytoplancton nous fournit 80% de l'oxygène qu'on respire. So the crew of Spaceship Earth are the bacteria, the plankton, the trees, the fish, the worms. Donc l'équipage, c'est les bactéries, le plancton, les poissons, les arbres. They're running everything. C'est eux qui font marcher tout le système. And if they disappear, we die. Et s'ils disparaissent, on va tous mourir. A couple of years ago, I was severely criticized in America because I made the statement that worms are more important than people. Il y a quelques années, j'ai été très critiqué aux États-Unis parce que j'avais fait la déclaration que les vers de terre étaient plus importants que les gens. And people said, "How could you dare say something like that? It's outrageous." Et on m'a dit, mais comment est-ce que vous osez dire une chose pareille? And I said it because worms are more important than people. Et je l'ai dit parce que les vers sont plus importants que les gens. Why? Because worms can live on the earth without people. Pourquoi? Parce que les vers peuvent vivre sur terre sans nous. But people cannot live on the earth without worms. Et nous, on peut pas vivre sur terre sans les vers. Or without fish, without insects, without bacteria, without plankton. Ni sans poissons, ni sans insectes, ni sans bactéries. We need them, they don't need us. On a besoin d'eux et eux n'ont pas besoin de nous. But we've created this world of fantasy. Mais
on vit dans un monde fantaisiste. So I call it anthropocentrism. J'appelle ce monde l'anthropocentrisme. That all our values are human values. Toutes nos valeurs sont des valeurs strictement humaines. And we forget this one fact, that no species will survive on the earth unless it lives in accordance with the three laws of ecology. Et on a oublié ce pacte, c'est qu'aucune espèce n'a jamais survécu sur cette planète sans vivre en respectant les lois basiques de l'écologie. And the first is the law of diversity. Strength lies in diversity of species. La première loi, c'est la loi de la diversité. La force d'un système réside sur la diversité des espèces. And the second is the law of interdependence, that all those species need each other. La deuxième loi, c'est celle de l'interdépendance. Toutes ces espèces ont besoin les unes des autres. And the third is the law of finite resources. There's a limit to growth. Et la troisième loi, c'est la loi des ressources finies. Il y a une limite à la croissance. A limit to carrying capacity. Une limite à la capacité de charge de la planète. And for our numbers to increase. Et pour que notre population grandisse. We have to steal the carrying capacity from other species. Nous volons la capacité de charge des autres espèces. They have to go extinct for us to continue to rise in our numbers. Et elles s'éteignent pour que les populations humaines continuent à grandir. So now we have 7 billion people on the planet. Donc aujourd'hui nous sommes 7 milliards. There are more people alive right now than ever existed prior to 1800. Il y a plus de gens aujourd'hui vivant sur Terre qu'il n'y en a jamais eu avant 1800, depuis que l'espèce humaine existe. And all of the experts at the United Nations say that's okay. It'll stop at 9 billion. Et tous les experts des Nations Unies disent mais c'est pas grave parce que à 9 milliards ça va s'arrêter. And why do they say that? Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Because it will stop at 9 billion. Parce que effectivement ça va s'arrêter à 9 milliards. Because it'll crash. Parce que ça va s'effondrer. And there will be severe consequences to our refusal to live under those laws. Et il y aura des conséquences très douloureuses à notre refus d'obéir aux lois de l'écologie. Our ships are the only ships in the world that fly the purple and white flag of the Iroquois Confederacy. Nos navires sont les seuls bateaux au monde qui ont le drapeau des cinq nations des Iroquois. A few years ago, the women of the Longhouse at Kahnawake and of the Mohawk Nation. Il y a quelques années, les femmes de la nation Mohawk invited us to their reserve. Nous a invités dans leur réserve. And gave us the flags. Et nous ont donné ces drapeaux. Because they said they recognize what we were doing. Parce qu'ils ont dit on comprend ce que vous êtes en train de faire. Which is part of the Iroquois philosophy. Ce qui fait aussi partie de la philosophie des Iroquois. That you do nothing unless you take into account. Qui est de ne jamais rien faire sans prendre en compte. The consequences of your actions on the next, on all future generations. Les conséquences de vos actions sur toutes les générations futures. And they said for that reason they gave us the flags. Et c'est pour cette raison qu'ils nous ont donné ces drapeaux. So those are the flags that we're most proud to fly. Ce sont les drapeaux que nous sommes le plus fiers d'arborer. And since then we've also been given the Aboriginal and Maori flags for New Zealand and Australia. Et depuis les aborigènes d'Australie et de Nouvelle-Zélande nous ont aussi donné leurs drapeaux. Because the indigenous people are biocentric. Parce que les indigènes sont biocentriques. And many still understand the connections. Et ils comprennent toutes ces connexions. Sea Shepherd has grown very slowly. Sea Shepherd a grandi très lentement. For a very simple reason. Pour une raison très simple. We don't spend money on raising money. On ne dépense pas de l'argent pour collecter de l'argent. We're not sending out millions of pieces of mail. On n'envoie pas des millions d'emails. You don't see us standing on every street corner, you know, asking for people to sign up. Donc vous ne voyez pas des collecteurs de fonds à tous les coins de rue de Sea Shepherd. And if it does happen, those people aren't being paid. Et si jamais ça arrive, vous pouvez être sûr qu'ils ne sont pas payés. Because we are an organization of volunteers. Parce qu'on est une organisation faite de volontaires. Yes, we have some paid people through helicopter pilots, engineers, chief engineers. Oui, on a quelques gens qui sont payés, le pilote d'hélicoptère, le chef mécano. But on the last campaign to Antarctica, 88 crew from 23 countries, 80% of them volunteers. Mais sur notre dernière campagne antarctique, 88 personnes de how many countries, 20? 23. De 23 pays différents, 80% d'entre eux étaient complètement bénévoles. And when people criticize us and they say, well, your crew, they're not professionals. Et quand les gens nous critiquent en disant mais vos équipages ils sont pas professionnels. They're inexperienced. Et ils ont pas d'expérience. They don't know what they're doing. Ils savent pas ce qu'ils font. Well, I couldn't pay people to do what these people do.
Eh bien, la vérité, c'est que je ne pourrais pas payer des gens pour faire ce que mes volontaires font gratuitement. You cannot buy that kind of passion, that kind of courage. Ce genre de passion et ce courage ne s'achète pas. And it's the crew that make us effective and successful. Et c'est cet équipage-là qui nous rend efficaces. And in 35 years, we've not had one of them injured. Et en 35 ans, on n'a jamais eu aucun d'eux sérieusement blessé. We have not put any of our ships aground. On n'a jamais coulé aucun de nos bateaux. We've not spilled any fuel. On n'a jamais eu aucune marée noire. Because we're, well, we're not professional. Parce que ben, on n'est pas professionnel. As I recall, it was a fully professional crew that just put a cruise ship on the rocks in Italy. In Italy? Yeah. Oh, yeah, right. Et si je me souviens bien, le navire Costa Brava, c'est ça? Qui s'est échoué était pourtant mené par un équipage de professionnels en Italie. And every day I read professional crews getting into trouble all the time. Et tous les jours, je lis des équipages professionnels qui ont des problèmes en mer. And last week in Melbourne, we had a very strange situation. Et la semaine dernière à Melbourne, il s'est passé quelque chose d'assez comique. We had a commercial fishing vessel pull up alongside us at the dock. Donc il y a un bateau de pêcheurs qui s'est mis à quai à côté de notre bateau. And the fishermen were throwing rotten oranges at our crew. Et les pêcheurs étaient en train de jeter des oranges pourries à notre équipage. And telling them how they were inexperienced. En leur disant qu'ils étaient inexpérimentés. And they were upset that half of our crew are female. Et ça les énervait bien de voir que la moitié de notre équipage était fait de femmes. Because obviously women don't know anything about ships. Parce qu'évidemment, les femmes ne connaissent rien au bateau. So after an hour of abusing my crew, donc après une heure de harcèlement de mon équipage, they left to go fishing. Ils sont partis pêcher. And 2 hours later hit a rock and sank. Et 2 heures plus tard, ils ont percuté un rocher et ils ont coulé. The captain was drunk. Le capitaine était ivre. Again, those are your professionals. Encore une fois, là, c'était...